Donc j'ai un pur là-bas que j'ai pas utilisé. Est-ce que j'ai de quoi faire une foreuse, un truc MK3 là? Est-ce que j'ai de quoi faire un MK3? Non, j'ai pas de quoi. Est-ce que j'ai de quoi faire un MK2? Oui, j'ai de quoi. Ok, est-ce qu'il me reste beaucoup de MK5? Parce que MK. Là, ça va tourner là. 627. Hein. Ok, on va récupérer un petit peu de. Ah, mais alors, attends. Il faut que je prenne de quoi faire. Hein. Il me faut de quoi faire une foreuse, ok. Mais il me faut aussi de quoi rajouter une plateforme de chargement. Ok, ça c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Du béton, c'est bon. Des plaques de fer, est-ce que j'en ai assez pour pouvoir faire aussi craft avec ça? J'en ai un petit peu. J'ai un petit peu de plaques, j'ai un petit peu de béton. Moi, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon, je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai tout. On va essayer. Attends, on va. Ça va falloir que je règle ça hors stream là, que je vois. Pour régler ça. Parce que ça, effectivement, ça me fait laguer de ouf. Ça me fait laguer de ouf. Et je verrai, hein. Si vraiment, si je peux pas faire ça. Eh ben écoute, tant pis. Tant pis. Moi, on aura essayé, mais effectivement, si ça passe pas, ça passe pas. Ok. Allons-y. Ok. Donc là, pour aller la chercher, il faut que j'aille au-dessus du nucléaire là-bas. Les éclats de charge, j'en ai sur moi. Il faudra que je fasse une modif du train donc pour ajouter un convoyeur supplémentaire. Pour ajouter un convoyeur supplémentaire. Alors la question c'est est-ce que je l'emmène le garde-chargement? Ouais. On va faire ça. On va faire ça. Okay. C'est-à-dire que je vais avoir les lignes, les wagons 1, 2, 3, 4. Un wagon supplémentaire, il va me falloir sur le train. Ok, les fosses portables, ouais, je peux en faire deux, ça, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, on va déjà aller là-bas. On va déjà faire la modif au niveau du train. Et après, on ira faire la modif pour aller chercher le charbon qui me manque. Comme ça, on produira plus. Plus d'acier. Plus de prod. Parce que là, ça va aller vider les stocks progressivement. Et c'est pas forcément ce que je souhaite. Alors j'ai peur que ça me fasse faire des modifs qui vont être relous à faire à ce niveau-là. J'ai pas prévu de faire ça plus long à la base. Mais j'ai pas le choix. Il me faut ce charbon. Il me faut ce charbon, je n'ai pas le choix. Oh, je peux le faire facilement. Si ça va, ça va aller, ça va aller. C'est pas dur ça. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ok. Hop. Tac. Ici comme ça. Hop. Ah oui, mince, je suis pas en zoop. Je comprenais pas là. Ah, je suis en vertical. Je suis toujours pas en zoop. Hop, ici. Là. 3. Ok. De là. Ici, je suis au milieu. Et on va aller. Hop, on raccorde de là. Ça va. Ça, on le supprime d'ici. On le cale là-bas. Ok. Le train. Je sais pas où il est. Le train de soufre, etc. Train charbon acier, bah il arrive. Il arrive, le premier il arrive. Ok. Du coup, toi tu vas être en load. Parfait. Bon, comme ça, j'attends que le train arrive et puis je rajoute son wagon au cul direct. Et pas de soucis. Par contre, tiens, question, est-ce qu'on pourrait rajouter un wagon devant le train? Est-ce que ça marcherait? Là, dans le cas présent, ça ne me sert absolument à rien. Juste une question que je me pose.
Mais ça pour bloquer les rails. Je sais même pas si ça les bloquerait les rails. On va faire le test, tiens. On va se marrer. Ah, tu peux pas les poser là-dessus, c'est rouge. Ok, tu peux la poser devant. Tu peux la poser devant. 1, 2, 3. Et... vas-y, mets-toi bien. 4. Ok, donc là maintenant... Maintenant, eh ben on va partir chercher notre charbon. Ah, oh, c'est bon, parfait. Et là, c'est train de faire acier. Ok, ça m'a amené au-dessus, c'est plutôt pas mal. Salut Derby, bienvenue à toi. Alors attends, que je réfléchisse. Parce que ça, ça donne ici. Ce qui veut dire que par rapport à la map... hein, si je regarde ma map, le charbon dont j'ai besoin, il doit être par là, je pense. Ok. On va attendre de monter un peu plus haut là, et puis après on récupère ce qu'il nous faut et c'est bon. Ça a l'air ultra complexe comme jeu. Ouais, c'est assez complet, ouais. Mais la montée dans difficulté, elle est vraiment très progressive. Vraiment, au début, c'est très très simple. On dit, il y a du minerai, tu le mets dans une fonderie. Basta. Une fois que tu as fait ça, on te dit, ok, bah, de la fonderie, tu l'emmènes à un constructeur. Tu as fait ça, ok. Et ben bah, du constructeur, tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment, le jeu te prend par la main. Le tutoriel est extrêmement bien fait. Vraiment, c'est vraiment très top, le jeu. Alors là, on va se barrer vite fait des zones d'uranium. Ok. Allez, on scanne. Donc, charbon, il devrait être par là-bas. Alors, où est-ce qu'il est, là? Masquez-moi le menu. J'en ai un par là-bas à 430 mètres. C'est lui que je veux, ouais, effectivement. C'est lui que je veux et j'en ai même un autre là-bas. Ok. Alors, puisque c'est lui que je veux, on va aller par là-bas. Non, parce que là, comment dire sinon? Oui, non, mais... et puis moi, je suis un tryharder. Hein. J'ai 4900 heures sur le jeu. Hein. Donc, je le connais par cœur, hein, donc... des grosses usines comme ça, avec tout bien optimisé, les surplus, les trucs, etc. Oui, j'en ai mangé déjà. Ah oui, quand même. Oui, oui. Ah oui, t'es pas tombé n'importe où, là. T'as des gros streamers qui jouent au jeu, mais ils le survolent, en fait. Ils rushent, ils font un peu tout n'importe comment. Ils essayent pas forcément de faire ça trop très bien. Et voilà, mais le jeu est encore plus complexe et beaucoup plus... ah, mais juste là. Il est juste là, le charbon. Ah, une araignée. Allez, viens. Ok, tu veux jouer? On va jouer. Laisse-moi juste prendre mes trucs, là. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Allez, au cas où. Non, même pas. On va se remettre full vie. Voilà. Alors, la vie, tu la vois pas. Je cache avec ma caméra devant. Allez, t'es où, toi? T'es où? Viens me voir. Putain, je l'entends pas. Je sais pas où elle est. Ah, elle est là. D'où tu me touches, là? J'étais déjà sur le côté. C'est quoi cette hitbox? C'est quoi cette hitbox, là? Viens, 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 viens. T'es où? T'es là. Hop là. C'est bon. Ok. Le charbon, il est dans le coin, normalement. Bah oui. Attends, là, il y a du charbon pur. Mais comment tu voulais le trouver? Le truc, il est caché. Comment tu voulais que je le trouve? Ok. Donc on va mettre une fausse MK2. Ah oui, mais pour ça il me faut les deux trucs. Ok. Donc on va fabriquer les deux fausses portables. Qu'il me faut. Une. Deux. L'avantage, tu vois, en plus dans ce jeu là, c'est quand tu détruis quelque chose, tu récupères les ressources. Donc tu peux construire, déconstruire autant de fois que tu veux, quoi. C'est assez cool. Alors attends, on va se mettre en direction. On va se mettre en direction de là où on doit aller. On doit aller par là-bas. Même un petit peu par là. Voilà.
Donc là, je suis bien aligné par rapport à là où je veux aller. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc là, tu vas produire 240 par minute. Ok, là, 600 par minute. Très bien. Maintenant, il va me falloir de l'élec. Il va me falloir de l'élec et il va falloir que je ressorte ça aussi. Tac. Tac. Ok, c'est bon. Hop, ici. Alors, j'ai vu des câbles tout à l'heure. Il doit y avoir des câbles qui passent par là-bas. Je sais pas trop où. Ah, ça me fait penser à Subnautica. La façon de construire tout. Oui, y a... souvent les gens le disent. Souvent les gens disent que ça fait penser à Subnautica. Ouais, effectivement, tu as parfaitement raison. Est-ce que je vais pouvoir choper le câble électrique de là-bas? Alors là, je suis un peu trop loin. Vas-y, me fais pas galérer, s'il te plaît. Oula, il y a un drone qui est passé, plein de trucs radioactifs. J'ai pris tarif. Ok, tu veux pas? C'est pas grave. On va faire une plateforme. On la virera après. Hop. Ah mais c'est incroyable, ça. Laisse-moi clipper là-dessus. Voilà, merci. Cap trop long. Alors attends, est-ce que je peux te caler ici? Je peux te caler ici. Ok. Voilà, et avec ça je peux voler maintenant. Ok. De là. De là je te tire ici. Hop. Alors attends, il est où le truc? Il est là-bas. Je le vois là-bas. Hop. Le jeu fait aussi penser souvent aux joueurs à Factorio, je sais pas si tu connais. Hop. Ok. Vas-y, sors-moi bien du charbon. Hein. Me sors pas autre chose. Non, ça me dit rien. Ok. Factorio, c'est, on va dire, le même type de jeu, mais en 2D. Par contre, avec beaucoup, beaucoup de PVE. Là, par contre, tu te fais attaquer par des vagues d'ennemis assez régulièrement parce que tu fais de la pollution, etc. Alors qu'ici, OZEF. OZEF tier. Attends, le truc qui est par là-bas. Je descends ici comme ça, je suis glitch à l'intérieur. Moi, je veux pas de ça. On va le décaler un tout petit peu. On va le décaler un tout petit peu. Ouais, c'est mieux. Hop. Allez, pas trop loin. Ma gare, elle est pas très loin, elle est où là? Elle est là, ma gare, elle est là. Je dois emmener ça par là-bas. Alors attends, que je voie où je mets les pieds là. Que je voie où je mets les pieds. Si je passe ça par là, ça va me faire chier avec ça. Par contre, par où je vais pouvoir le passer pour que ça fasse pas trop dégueulasse non plus. De toute façon, ça fera pas ce que j'aime. On va passer là-dessus. Alors, on se fasse pas écraser par le train, même si c'est pas grave. Mettre ça, tac. Si je peux voler, alors. Dis-moi, elle est où ma gare? Elle est toujours là-bas. Ok. Ok, là je descends. Tac.
Il est où le truc? Il est là. Hop. Il y a quoi qui passe ici là? C'est quoi ça? Du cuivre. Du cuivre, du coup. Le truc est par là-bas. Ouais, je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Il va falloir quand même que je te passe un peu au-dessus. Hop. Hop. Je te passe ici. Toi, je vais te passer au-dessus. Bon, on va juste couper un petit peu d'arbre. Un petit peu de peau neuve là, ou un peu tout ça là. Ok, voilà, c'est un peu plus dégagé déjà. On voit un peu plus ce qu'on fait, ce qu'on veut et ce qu'on a. Hop. Toi, je vais pouvoir te redescendre direct comme ça, pas se prendre la tête. Hop, du coup. Je vois où exactement la gare. Où est la gare? L'herbe à la tronçonneuse. Ah, t'y vas pas de ma morte. Ça coupe comme ça. Ok, faut que je parte plus vers la droite. Enfin, la gauche. Enfin, la droite quand j'étais comme ça et la gauche comme ça, quoi. Ok, les gares sont juste en face. Ok, très bien. Ok, 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 ok. Blablabla. Je vois rien là. Hop. Je coupe même souvent à la tronçonneuse parce que la tronçonneuse, ça a un effet de zone. Ah oui, c'est radical au moins. Ah oui, complètement. Hop. Ici, comme ça. Hop. Très bien. Ça coupe même les petits rochers, la tronçonneuse, si t'es à côté. Enfin, où tu t'en sers. Putain, je voyais même pas le truc, il était juste derrière. Putain, je te mets là. Hop. Du coup. Et re les Sims. Non. Ah, j'ai trop dévié sur la gauche. Sur la droite, pardon. Faut que je tourne un peu plus. Hop. Repartir plus par là-bas. Et voilà, c'est bien. Hop. Attends, on va couper ce gros arbre là. Voilà. Il fait un peu plus jour. Du coup, ça veut dire que toi, hop, je passe là-bas. Je viens de finir la saison de Boba Fett. Hâte de voir la suite. Ok. J'ai pas du tout regardé. Tu l'as sur quoi, toi? Amazon Prime, Netflix? Hop. Ok. Ok. Toi, ici. Toi, tu vas venir de ce côté-là. Juste en surplomb, là. Alors, attends. On va essayer de pas survoler le vide. Ce qui serait plus sympa. Hop. Hop. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok, donc... ici comme ça. Voilà, comme ça, hop, vas-y, charge-moi ça. Ah oui, là c'est full là. Full.
Ouais, tout est plein là. Mais qu'est-ce qui branle le train? Et qu'est-ce qu'il fout ce train? C'est quoi son parcours là? Train de charbon 1 là. Où est-ce qu'il va? Planning. Train charbon acier 1. Il est où? Train charbon acier 2. Donc là il est au-dessus. Train charbon acier 1. 7A charbon, 7 1B, ok, ok, très bien. Ça c'est là, c'est bon. Hop. Tac. Voilà. Ok, je vais utiliser ça, je vais aller avec lui. Attends, tu veux dire que le temps qu'il aille là-bas et qu'il revienne, ça avait chargé à fond ça? Ça et ça, ça a chargé à fond le temps qu'il aille faire un aller-retour. Bah, si c'est vrai, il me faut plus de trains. Parce qu'attends, on va le jouer, le rechoper après. Là ici, ça c'est quasiment vide. Ok, très bien. Hop là. Eh, on frôle, hein. Disney Plus, ok, j'ai pas. C'est pour ça que j'avais pas. Ok, les amis, je coupe la cam 2 minutes. Hop. Et vas-y, retourne à ma base d'acier, toi. Délivre-moi du mal. Un jour, faudra vraiment que je prenne le temps de finir ce bâtiment, mais tellement de trucs à faire. Tellement de trucs de plus important à faire. Par contre, je vois pas pourquoi les autres, ils tournent pas là. Je vais avoir un problème là-dedans, là aussi. Il va falloir que j'aille voir un œil. Enfin, jeter un œil, pardon. Il va falloir que j'aille voir un œil. Ça veut rien dire. Salut Marsu59, bienvenue à toi. Ok. Allez, fais-moi un petit tour là. Pourquoi t'essaies de freiner toi? Pas besoin de frein là. Il n'y a pas besoin de frein ici. Ah, parce qu'à mon avis, ceux-là ils sont pleins, c'est pour ça. Ceux-là ils sont pleins encore, ils sont pas utilisés encore ceux-là. Ceux-là ils sont pas utilisés encore, c'est pour ça. Les balances là par exemple, là par contre ça va être utilisé ça. Est-ce qu'en provisoire je les raccorde pour les vider ou pas? Non, il n'y a pas besoin en vrai. Il n'y a pas besoin en vrai. Que ça évitera de se retrouver plein. Bienvenue à Azrael. Azrael, pardon. Azrael Omega TV, Diox, Flamme Academy, bienvenue à vous. Ok, donc là, tout ça, ok, on décharge ici. Ça va me faire un peu plus de charbon sur cette ligne-là. Ça va m'en faire beaucoup plus, même. Ça va permettre que ça tourne un peu mieux, là. Ok. Donc toi, tu t'es remis à produire. De consommer de l'acier et tout. Ok. Donc là, ici, petit à petit, ça va se relancer un peu plus vite. Voilà, là, ça repart tout de suite, là. Et c'est bon, là, c'est reparti, là, comme ça. Ok. Et là, on produit, c'est bon. Ok, mais on va pas produire longtemps parce que j'ai pas beaucoup de charbon pour l'instant. Ok. Donc, on a ramené un charbon de plus. Est-ce que j'ai un autre charbon dans le coin que je pourrais ramener?
Les autres charbons dans le coin, il n'y en a pas. Hein. Les autres, ils sont loin. Les autres, ils sont loin. Les autres, ils sont loin. Et est-ce que j'ai un train de charbon qui part de ma gare de triage? Salut nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera de vous répondre au mieux, complètement. N'hésitez pas à vous follow aussi. Ok. Alors, je réfléchis deux secondes. Je vais utiliser un train, là. Il y a un train au-dessus, j'entends. Je vais aller vers ma gare de triage. La première. Et je vais voir déjà si je ramène beaucoup de... Beaucoup de charbon de l'autre côté, je crois pas. Je sais même pas si je ramène. Faut que j'aille vérifier. Mais de toute façon, il faut plus de charbon ici, c'est clair. Et tout le charbon, il doit arriver ici quasiment. Donc si j'ai pas assez de charbon là ici, il faudra que j'en ramène. Il faudra que j'en ramène. Vas-y, avance. Je ferai la fin du trajet à pied. Ah, peut-être la fin du trajet à pied, on va voir. Hop. Et refox. Quoi tu freines? Tu freines. Ah, parce qu'après, de l'autre côté, c'était rouge là, d'accord, ok, très bien. Ah, tu laisses partir l'autre. Ok, très bien. Vas-y, laisse passer l'autre devant. De toute façon, il va repartir. Celui-là, j'ai pas peur. Il y a deux wagons. Il y a deux locaux. Une devant, une derrière. Donc, c'est bon. On va pouvoir avancer dans tous les cas. Ok. Déjà, on a rajouté 600 charbons par minute. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais je peux faire mieux. Je peux faire plus. Hop là, c'est bon. On remet la cam. Celui-là, ah ouais. Il va donner bien ce panneau, mais il fait laguer. Hein. Faut vraiment que je mette les couleurs pour voir ce que ça va faire hors stream. Parce que dès que je regarde pas dessus, ça va, c'est fluide. Mais dès que je le regarde, ça saccade à mort. Ou sinon, il faudra que je mette directement les murs sur les côtés pour pouvoir... Pour pouvoir masquer de loin, que ça gêne pas de loin et que je le voie que de dedans. Éventuellement, je pourrais essayer de faire ça. Je regarderai tout ça en stream. Ah, la sauvegarde qui arrive, ça va freeze. 3, 2, 1. On freeze une petite minute. Hop. Le temps qu'on fasse ça. Hop là. Ok, très très bien. Vas-y. S'il te plaît. S'il te plaît, le jeu. Je crois que je jette un œil hein, vraiment aussi à mon build de nucléaire. Hein, parce que je vois qu'il y a des machines qui tournent pas. Normalement, je pense que ça devrait tourner à fond. Et ça tourne pas à fond. Alors, je sais pas quel est le problème, j'ai peut-être pas assez de soufre qui arrive ici, c'est possible. Si c'est ça, il faudrait que je rajoute du soufre encore. Hop, ok, je vais juste vérifier un truc. Hop, ok, très bien. Très bien. Ok. On a ça. Hop. Ok. Très bien. Ok. On va aller voir l'autre gare. Hein. On va aller voir l'autre gare, voir si j'ai du charbon, parce que je sais que j'ai plusieurs spots de charbon qui sont pas loin, donc on va aller voir s'il y a besoin. Et puis comme ça, pour ceux qui n'ont pas vu mon stockage, à quoi il ressemble aussi, ça va être l'occasion de pouvoir le voir.
Hop. Allez, vas-y. J'adore ce petit passage-là, là. Tu passes juste en dessous, là. Alors là, ça va laguer. Et là. Voir ce que ça donne, ce truc-là. Et je regarde. Ouais, de loin, là, le truc ressemble, hein, c'est bon. Salut Zoc, bienvenue à toi. Ok, très bien. Faut pas que je me plante, il faut que je pense à tourner au bon moment. Donc toi, tu vas vouloir tourner. Hop, et nous on sort parce qu'on va tout droit. Nous on va tout droit, on va aller juste au bout là-bas là. Il va falloir que je check sinon, il va falloir que je rajoute une gare de plus au niveau charbon. On va aller voir ça. Ah, là j'ai une sphère, tiens, il faudrait que je la prenne, hein. Ça fait long... Je l'ai jamais prise, hein. Ça fait longtemps qu'elle est là. Hop. Mais non. Vas-y, sphère de merci. Alors, tu peux pas remonter là comme ça? Ok, pas de souci. Très bien. Ah, on voit le bâtiment là, ça y est, on commence à le voir. Manque de la hauteur encore, hein, celui-là. Hein. Manque de la hauteur pour pouvoir arriver en haut. On voit tous les drones là comme des mouches ou comme des guêpes autour. Plutôt cool. Hop. Alors, j'ai quoi comme gare ici de prévu? J'ai quoi comme gare de prévu? Là, j'en ai que 3 ici. À mon avis, j'ai peut-être pas de charbon. Si c'est ça, faut juste que je rallonge un peu. Du coup, on va aller regarder. On va aller regarder ça. Normalement, je sais que j'ai du fer, ça c'est sûr. Je sais que j'ai du quartz, c'est sûr. Je dois avoir fer, quartz et bauxite, je crois. Départ fer. Ouais. Départ quartz. Départ bauxite. Ok. Donc j'ai du charbon dans le coin. J'ai du charbon dans le coin. Donc. Oh, punaise. On va rajouter ça. Faut que je rallonge ma gare. Hop. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que j'en rajoute 2 encore. 6 et 7. Ok. Tac. Alors, si j'ai plus de béton, c'est pas grave. Hein. Je suis pas obligé de retourner à ma base puisque j'ai mon stockage général qui est là-bas. Même si je stocke pas tout encore dedans, il y a pas mal de choses déjà. Hop. Voilà, j'ai plus assez de béton. Alors, est-ce que j'en ai pas ici directement déjà là? Je crois que j'en ai plein là ici. C'est possible. Alors j'en ai pas là. Là j'ai des plaques. J'ai des plaques, j'ai quoi? J'ai des ordinateurs. J'ai des moteurs, j'ai plein de trucs. J'ai 230 ordi. Ok. Bon, on va aller récupérer ça directement dans le stockage général là-bas. Hop. Papam, 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 papam. Hop là. Alors. Avec toutes les petites statues qu'on a récoltées à droite à gauche.
Ok, alors le béton c'est là-dedans. On va voler. Batterie, vie, plaque, béton. Voilà, et hop, viens là. Béton, hop, c'est pris. Hop là. Papapapadam. Donc ça va me faire une grande guerre là quand même. À terme, je modifierai l'arrivée des voies au lieu de la faire côté gauche. Je pense que je la ferai arriver par la côté arrière. Ah, GG pour ton autopanne, Azrael. GG à toi. Hop. 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 Donc du coup, ici. Okay. 8. Ok, je vais couper les arbres en dessous. Je vais couper les arbres en dessous qui me gênent. Et il y a celui-là, il y a celui-là aussi qui dépasse dedans après. Ok. Celui, ça je ramasse, ça je vire. Et il y a tout cela aussi à virer là. Ok, ça c'est bon. Ça aussi c'est bon. Salut jeune princesse, comment tu vas? Ok, ça s'est ramassé. Alors, il y a encore celui-là à virer. Et c'est bon après. Ok, du coup. Faudrait que je rallonge l'intérieur avec les lumières, tout ça, faudrait que je rajoute. Donc, normalement. Normalement, est-ce que j'ai assez pour me faire. Est-ce que j'ai assez pour me faire une gare, 7 plateformes de chargement? Il va manquer des cadres modulaires lourds. J'en ai dans ce cas, Jabba. Ça, c'est pas un problème. Les vis. Les vis, je peux en jeter aussi là-bas. C'est pas un problème. Ok, on va les récupérer juste là. Comme ça, je pose tout ça. Et c'est bon. Il va me falloir du coup 7 stockages aussi. Est-ce que j'ai de quoi me faire 7 stockages? Organisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut sauf les cadres. Ça va très bien, je te remercie. Salut Cloporte. Bienvenue à toi. Enfin, ça te va bien. N'hésitez pas, les gens, hein, si jamais vous aimez Satisfactory, n'hésitez pas à follow. J'y vais souvent. Viens de découvrir qu'être streamer c'est fatigant. Ah, et oui hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. En tout cas, tu as l'air de bien t'en sortir. Félicitations. Tac. Voilà, c'est bon, j'ai mon compte. J'ai mon compte. Ouais, je m'en sors pas mal. Bah, c'est cool. La sortie elle va être par là-bas. Les ordinateurs, 43 sur 22, c'est bon. Ok. Bah là, il y a une grotte. Quand on est loin, les grottes, on voit le ciel à travers. Hop. Ok. Oh, c'est gentil, Fox. T'as joué à Genshin Impact? Ok, ça c'était bien? Ouais? Ok. J'ai jamais joué à Genshin Impact. Je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, un ici. Ok, là on est bien.
ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Ok. Ah, reviens par là. Hop, ici. Toi, tu tournes pour venir jusque là. Ici. Et toi, tu vas te raccorder. Tac, sur celui-là. Ok. Un ici, un ici. Pas bien dans le bon sens. Enfin, un ici. Donc ça c'est déjà fait. Ah oui, c'est ici qu'il faut que je coupe, que je le fasse en plusieurs fois le petit là. Le petit en plusieurs fois. De là à. De là. Voilà. Et là à là-bas. Ok. Toi ici comme ça. Très bien. En fait, je remets un signal comme ça. Mon bloc ici là est le plus petit possible pour pas qu'il y ait un bouchon au niveau des trains derrière. Donc là c'est bon. Là c'est bon, ici du coup je suis alimenté, donc ça va être départ charbon acier 3, si je me plante pas, station 50e station quoi. Comment on les a appelés les autres? Départ charbon, alors attends, c'est les gares que j'ai besoin de voir. Départ fer, départ câble, départ fer acier. Okay, départ charbon acier les autres. Départ charbon acier. Arrivée charbon acier. Départ fer. Donc comment je les ai appelés? Départ charbon 1, départ charbon 2. Le départ charbon 2, il est où? Départ charbon 1. On va regarder comment elle s'appelle celle-ci là. Fer 3, fer 2, charbon alu, donc départ charbon 1. Là j'ai un départ charbon alu. Ok, départ charbon alu, ça vient aussi m'en ramener là. Donc départ charbon 2, ok il est là. Et je peux pas voir où est-ce qu'il est. Parce que là, tu montes des trains et tout comme ça, mais c'est celui-là. Départ charbon. Départ charbon 1. Ok, c'est celui qui est à côté de la base. Départ charbon 2, c'est celui qui va à l'aluminium. Donc là, ça va être ici, ça va être départ charbon 3. Ok. Gare ferroviaire, donc. Départ charbon 3. Ok. Départ charbon 3, ça c'est validé. Du coup, il va me falloir un train. Il va me falloir un train. Est-ce que j'ai de quoi faire mes trains là? Il me faut 2 wagons et 7 locaux. Alors j'ai tout sauf les cadres modulaires. Putain, enfin j'ai à en rechercher encore. Est-ce que j'ai de quoi me faire les 10 balises? 10 balises, ouais, j'en ai 45, c'est bon. C'est pas des streamers qui durent, c'est surtout les super conneries des viewers. Oh, tu sais, j'en dis aussi beaucoup. Hein. Là pour le coup, hein. J'en dis même peut-être même plus que vous. Ok. Donc là on va faire la même dans ce sens là. Si. Mets-toi bien dans le bon sens là, s'il te plaît. Comme ça, ici comme ça, et hop pour le reste, ici comme ça. Ok, très bien. Là, comme ça, on est bon. Ok, on va reprendre puisqu'il nous manque en cadre modulaire là-bas, et on pose le reste. Oui, aussi, il y a une histoire. Mais moi, juste un buvagabin, d'accord. Ok.
Je les teste, mais j'ai pas accroché. Par contre, j'aime bien regarder. Ouais, il y a des trucs comme ça, Gwen. Genwin, je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, je regarde beaucoup de StarCraft 2 et je ne joue absolument pas. C'est tes parents, tu continues avec eux. Tu dis, c'est pire qu'eux. Hop, cadre modulaire lourd, deuxième étage. Deuxième étage, cadre modulaire lourd. Hop là. Donc là j'en ai 4, ça m'en fait un petit peu plus sur moi, c'est parfait. Hop. On redescend. Et c'est reparti. Ok. Mais ça va être le train de charbon numéro combien celui-là là ? C'est au moins le quatrième. C'est au moins le quatrième. Ouais, au moins ça tourne hein, là-bas. Bon, faut dire il y a de la distance. Je rajoute un train supplémentaire alors que j'ai déjà pas beaucoup de place sur mes voies là. C'est déjà pas mal encombré. Quand on voit tous les trains qui circulent là. Je vais rajouter un train de plus qui va aller de là-bas, venir là, passer là-dedans, aller là-bas, aller ici et revenir. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Why not? Alors, du coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, il est là. Et Nuko derrière. Ok. Ça, c'est bon. Vers 18h, je live. Un autre jeu, non. En 21h, Vigetchi. Ok. Hé, jeune princesse, là, ça t'embête pas d'essayer de venir piquer mes viewers? Les drones électriques ont des réacteurs. Du coup, à quoi ils fonctionnent? Ah, je sais pas. Pourquoi de locaux? Salut, Jay-Z. Alors, je t'explique pourquoi de locaux. Quand tu fais un train avec 7 wagons, c'est le maximum pour qu'il puisse bien se déplacer. Seulement, le problème, c'est que si en pleine voie, il est arrêté dans la montée, alors pas les montées, pas les rampes un tout petit peu inclinées, les rampes milieu. Le problème, c'est que quand le train est plein, vu qu'il prend en compte également le poids du chargement, quand le train est plein, il ne peut pas repartir. Il est pile à l'équilibre entre monter et descendre. Et du coup, bah, les autres trains qui veulent arriver derrière, ils sont bloqués. Et ça te bloque toute la chaîne comme ça. Donc, je rajoute une deuxième locomotive derrière. Comme ça, il y a deux locaux qui poussent. Et le train, même s'il s'arrête en montée, il n'y a pas de souci, il peut repartir. Voilà pourquoi. Non, de toute façon, après, je raid chez toi, voilà. Si je t'en pique, je te les rends après. T'es trop mignonne. T'es trop mignonne, jeune princesse. ok, donc là, ça va être le train de charbon. Alors, train fer acier, que je me plante pas. Train charbon acier 1. Ok, j'ai qu'un seul train de charbon acier. Train charbon acier 1 à 7, il n'y en a qu'un. Train charbon acier 1 à 7, là, il y en a 2. Ok. Ok, donc ça va être le troisième. Ok, ça va être le troisième. Donc on va faire un copier-coller. Et on va juste lui dire que t'es le numéro 3. Train 3, charbon acier. Ok. On va éditer le planning. Donc toi, tu vas partir de départ charbon 1. Tu vas arriver à... Tu vas arriver à charbon acier 1 à 7. Tu refais... Tu reviens la charger. Et tu retournes à charbon acier 1 à 7 bis. Ok. Je sauvegarde. Je peux activer la conduite automatique. De toute façon, le temps que... Quoique. Je vais te laisser ici pour l'instant. Je vais te laisser ici pour l'instant. Je vais juste te mettre à quai. Ok. Je te mets bien à quai. C'est bon. Maintenant, il faut que je gère mes stockages. Il faut que je gère les stockages. Bonsoir. C'est quoi qui bouge sur la carte? Salut Jessie. Alors je t'explique. Sur la carte là, ici ça c'est des drones. D'accord. Ce signe là c'est des drones. Et ceux-là, c'est des trains. Et de ce côté-là. Ici, là, j'ai des tracteurs aussi qui tournent. Voilà. Mais attends, mais là j'ai tout. Ok.
En termes de place, quelle distance j'ai des centres? Oh! Ok, ouais, là j'ai fait ma 50e gare. Là. 50e gare. Ok, là on est bien. 2. Alors, pour répondre déjà d'avance à une question que vous m'avez pas encore posée, mais que vous allez me poser, pourquoi est-ce que je mets des stockages devant les gares alors que les gares ont elles-mêmes des stocks? Très bonne question. Merci de me la poser. C'est parce que pendant que le train charge, en fait, ça, il bloque les entrées. Il bloque les entrées. Et donc, du coup, si tu as bloqué les entrées, le charbon qui arrive ou les autres ressources qui arrivent, en fait, sont bloquées. Elles ne circulent pas. Du coup, ça remplit ton tapis. Du coup, tu as une perte de productivité. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des stockages ici. Comme ça, les stockages, ils font tampon. Et dès que ça revient, vu que je mets qu'une seule arrivée en bas, tu vois, dès que ça revient, après, paf, ça continue de stocker, tu vois. Là, ça continue de stocker. Ça continue. Donc, de l'autre côté, il prend, tu vois. Là, on peut même pas accéder dedans, on peut pas regarder. Donc, ça continue de stocker. Petit à petit. Et quand lui, il est fini, eh ben, j'ai deux. Les deux, là, ils vont pouvoir se vider. Donc, ils vont se vider plus vite qu'ils vont se remplir. Et ça le permet de re-remplir beaucoup plus rapidement pour les prochains trains qui vont arriver. Et tu vois, là, ça le reboost directement. Et là, ça le revide. Comme ça me fait une zone de tampon entre les trains qui arrivent et les trains qui repartent. Et comme ça, j'ai pas d'arrêt de la productivité. J'ai toujours mon minerai qui arrive en continu, en continu, en continu, en continu, qui produit. Voilà. Salut Nocturne TV, bienvenue à toi. Ok, donc ça, il va falloir que je te raccorde. Ah merde, j'ai pas pris assez de MK5 par contre. J'ai pas pris assez de MK5, je vais être en galère. Et je vais être en galère. Voilà. Ah bah Noc. Tu connais Nocturne? Comment on se retrouve? Comment vas-tu? Ah bah voilà. Tac. Ici c'est bon. Là au niveau de l'espace, j'en ai un qui est collé quasiment. Il a deux petits coules. Oui, je connais. Ok. L'autre qui est après derrière là-bas. Ok, très bien. Donc toi, tu passes ici. Hop. Ici. Tac, là-bas et là-bas. Ok, très bien. Donc toi, on va pouvoir te raccorder ici. Toi, on va te raccorder ici. Ok. Ici. Toc. Là-bas. J'espère que j'ai du MK5 dans le coin là, parce que sinon, s'il faut que j'aille en chercher, ça va m'embêter. Mais je vais peut-être pas avoir le choix là. J'ai pas beaucoup de place sur moi, j'ai quoi comme place? Ouais, pas des masses. Pas des masses. Heureusement que j'ai des stockages ici, je vais pouvoir vider ce que j'ai sur moi. Et s'il faut, je vais aller chercher du MK5. De toute façon, il va m'en falloir, hein, donc si j'en ai pas, ça va pas le faire. Hop, c'est bon, c'est refermé. Là, des moteurs, je vais en reprendre. Des ordinateurs, je vais en reprendre sur moi, on sait jamais. Des moteurs, je vais en reprendre sur moi, on sait jamais. J'ai pas de MK5 là-dedans. Non, j'ai pas de MK5. Ok. Donc, je vais poser tout ce qui me sert pas. Je vais ramener la balle de MK5. Donc, ça, je pose. Je mets. Ça, je mets. Je balance. Ok. Là, le truc est plein. On va se mettre ici. On va balancer tout ça. Ah, comme ça, je ramène full MK5 ici. Ce sera plus simple. J'ai plus que deux éclats de charge. Il va falloir que je trouve aussi des électrolimaces. Hop, voilà, là j'ai fait de la place. Est-ce que j'aurais pas un train éventuellement? Train de bauxite 3, bah parfait. Il vient ici et il va justement là où j'ai besoin. Hop là. Par contre, il va falloir qu'il freine. Ok. Ah, tu le connais. Très bien, tiens. Juste pour voir ici. Donc là, on a stocké à fond. Là, on va restocker un petit peu. Lui va décharger. Et ainsi de suite. Bah, c'est parti. En fait, comme il est parti. En fait, c'est un pote de mes parents. Ok, d'accord. Alors, c'est de mes parents, pas à mes parents. Il n'est pas fabriqué avec des parents. Et là, je te taquine.
Ok, allez, vas-y, roule. Roule le train, roule le train. Merci. Allez, go. Donc, pour rappel, pour juste pour vous remontrer, l'acier, il est ici. On est monté ici pour aller faire la gare, etc. Parce que je vais avoir du charbon par là-bas. Et là, je vais chercher du MK5 par là-bas. Donc, on va redescendre ici pour passer là. On va remonter ici. Et on sera bien. Et je vais essayer, autant que faire se peut, de récupérer le même train avant qu'il soit barré. Ce qui n'est pas gagné. Je vais avoir quoi, 20 secondes de délai pour pouvoir monter d'un étage, aller récupérer, redescendre et rechoper le train. Ça va être très juste. Hein. Moi, je parle la Belgique, pas la France, donc pas facile de dire de pas dire de bêtises. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on aime les Belges. C'est pour ça qu'on vous aime autant. Ok. Alors, je vais vérifier un truc. Ok. Ok, très bien. Allez, vas-y, descends-moi de cette spirale là. Manque des phares sur les trains. Hein. Manque des phares sur les trains, ce serait bien. Passe par là. Ah oui, il va passer en dessous, il va faire le demi-tour et il va revenir dans l'autre sens. Waouh. Ok. Là, il passe par l'autre gare. Hop là. Là. Bah, il se passe juste à côté l'un de l'autre. Ça, c'est parfait. Allez, ouvre-toi la porte là. Tac, merci. Hop, ok. Putain, on en fait du chemin. Hein. On en fait du chemin. Alors, je parle français, mais j'écris une langue inconnue. Non, ça va, Fox. Toi, y a pas de problème. Tu es le meilleur d'entre nous, bien sûr. Hop. Ok. Ok, 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 ok. Allez, vas-y. File, file, file. Donc là, on va arriver au gros bâtiment dans lequel je fabrique l'alumine, les batteries pour tous les drones qui fonctionnent là et le MK5. Ah, là, j'en ai une là, tiens. J'en ai une là. Pam, 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 pam. La meilleure blague de la soirée, t'as vu? Ouais. Hop là. Hop là, là, là. Voilà. Ok. Donc elle, en plus, la bauxite, elle va tout en bas, la bauxite. Ce qui m'arrange pas parce que moi je dois aller tout en haut. Mais il va au fond et je vais au fond aussi. On va voir si j'ai le temps. Je suis pas sûr. Hein. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Pam, 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 pam. Ah oui, mais il vient d'abord par là pour faire demi-tour pour descendre. Donc j'ai le temps de le prendre là-bas et puis après de faire demi-tour. Oh oui, pas de soucis. Pas de soucis. Ok.
Pas de soucis, pas de soucis. Normal, c'est une black belge. Tu remontes bien aussi, Badminton. Ok. Ça déroule là. Donc là, normalement, c'est à l'étage du dessous. À l'étage du dessous ici. À l'étage du dessous. Hop, par là-bas. Ok, tout ça c'est plein. Tac, vas-y, prends tout ça. Et c'est bien. Ça suffira. Ça suffira, ça suffira. Si je dois descendre pour aller à la bauxite. La bauxite, c'est plus bas. C'est là-bas. Ok. Donc l'autre train, il va arriver là. L'autre train va arriver ici. Il va faire demi-tour par là. Ok, on va l'attendre. Je pense que ça ira peut-être plus vite. Quoique. Quoique, je peux prendre l'hypertube pour revenir rapidement ici. Et commencer à remonter et espérer qu'il y a un train. Ouais, je vais faire ça. Et je vais faire ça, ça ira peut-être plus vite. Hop. Et après, on va chercher notre charbon. Tiens, voilà le train dans lequel on était. Il arrive seulement. Ah mince, je suis pas sur le bon. Hop là. Ok. Si je cours sur le tapis, je cours sur le tapis. Youps. Alors, hypertube. Avec accélération, c'est parti. On se déplace vite. On se déplace vite, ça va. On rattrape le train. Le train de bauxite 2. Ah bah tiens, il y a le train de bauxite 2 là qui est là. Ok. Ah, il est juste là, ouais. Hop. Ok, très bien. En vrai, cette ligne là maintenant elle me sert plus à rien. Maintenant que j'ai vu le nombre de gares que j'ai, de toute façon, le courant il passe par la gare, donc ça j'en ai même plus besoin. J'en ai même plus besoin. Là. Hop là. Allez, vas-y, monte. Oh, magnifique lever de soleil. Hop. Vas-y, monte plus haut. Et on passe par là. Passe par là, direct. Vas-y, chop. Ok, c'est bon, on a repris le courant. Impeccable. Salut The Kraken, bienvenue à toi. Bon, je vois pas arriver de train derrière. Ah si. On va voir s'il tourne ou s'il va tout droit celui-là. Tu vois, si je mets pas deux locomotives et que ça s'arrête là, les wagons comme, enfin les rails comme ça, ça part pas. Ça repart pas. Ok, lui il tournait. Ok. Bon bah c'est parfait. Merci beaucoup Jay-Z pour ton follow. Merci infiniment. Grand merci à toi. Merci infiniment, merci beaucoup. Ok. Alors allons-y. Donc, je vais reposer un petit peu de MK5 là-bas. Je vais juste là, dans les stockages qu'on avait là-bas. Parce que on sait jamais, si jamais je refais encore une autre gare ici, ou je prolonge ou quoi que ce soit et que j'ai besoin de MK5. Ça évitera que je me retape le même aller-retour. En attendant, on va reprendre aussi le matos qu'on avait sur nous pour pouvoir aller poser nos... Je cherche mon mot. Nos foreuses MK2 et pouvoir tirer
les convoyeurs jusqu'ici. Ok, allez, on va s'arrêter là. Tac, du coup, alors ça je vais en avoir besoin. Ça je vais en avoir besoin. Ça je le pose ici. Des plaques de fer, là j'en ai plein ici à prendre. Ça c'est bon. Ça il faut que je le prenne. Et je vais reposer du MK5 ici. Ça je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. Tout ça je reprends, j'ai besoin de tout ça. Ça je vais le prendre aussi. Là je vais reposer un petit peu. Je reprends ça, je prends. Ça je vais les laisser ici. En dessous, qu'est-ce que je peux reprendre? Ça je reprends, ça je reprends, ça je reprends bien sûr. Là je repose un petit peu. Ok. Très bien. Moi je reprends tout ça de MK5. Donc là j'ai des plaques, j'ai du béton, j'ai tout ce qu'il faut. C'est plutôt pas mal. Alors, à quelle distance se trouve les gisements qu'on a besoin? Les gisements, j'ai 3 purs et 1 normal. Pas très loin, juste par là-bas là. On va aller les choper. On va scanner comme ça. Hop. Alors déjà il y en a un là. À 300 mètres. Les autres ils sont à 700 mètres. Elle est à 300 mètres là, j'en ai un. Ah et puis j'ai une électrolimace. Donc celle-là il me la faut. Je crois qu'il y a, par contre il y a plein de mobs là. Ouais ils ont pop là. Bah bien sûr, tiens. Bien sûr, tiens, bah bien sûr. Hop là, fous-moi la paix. Attends. Va pas me tuer, toi. Laisse-moi tranquille. Putain, j'ai pas de vie, quoi. J'ai pas de vie. Putain, les mobs qui pop et qui dépop, ça me saoule, ça. Zagaric Lardon, là, il y en avait un par là. Ça, ça donne des PV, ça. Hop. Ah, mais j'ai pas de place. J'ai pas de place. Qu'est-ce que je vire? Je vire les fleurs. On s'en fout des fleurs. Ok. Vas-y, reprends des PV. Hop. Ici. Hop. Ok, c'est parti pour la guerre. Hop là. Alors toi, viens là. Je vais pas me battre à côté des mouches en prime, quoi. Raté. Tu m'as tout raté. Oups. Là, par contre, tu m'as pas raté, là. Vas-y, viens là. Hop là, ça a été mort. Ok. On va se remettre full. Ok. Bon, bah, let's go. Ok, bon, ça s'est bien passé. Eh mais là non. Hop là, il est où le dernier? Il est où le dernier? Il est là-bas. Viens. Hop là, c'est bon. Agaric Lardon, ok. Ça je prends. Ça me fait du bien tout ça. Et là il y en a plein des Agaric Lardon, c'est bon. Hop. Donc, où est cette électrolimace? Elle est là. Elle est là. On va se poser directement une échelle. On va pas se prendre la tête. Hop. C'est ici. Hop. Et vas-y, prends. Hop, ça s'est viré. Ok, production établie. Hop.
Ok. J'ai besoin d'éclat de charge. Donc ça, on va la faire tout de suite. 3. Et il faut que je retrouve le dernier charbon, là. Le charbon qui était dans le coin. Où est-ce qu'il est? 126 mètres, il est en haut, là-bas. Putain, je vais être obligé d'aller faire le tour, quoi. Je vais être obligé d'aller faire le tour. On va passer par là-bas. On va être obligé de prendre ça. Et je pense que je vais devoir prendre ça aussi. Hop. On va sortir de l'eau, là. On va sortir de l'eau. Hop, sors de l'eau. Allez, passe par là-bas. Sors directement. Salut, MTGA. Et Wazen. Bienvenue à vous. Ok. Allez, vas-y, on vole, on vole, on vole, on vole, on vole, on vole, on vole. On passe, on passe, on passe. Ok. Tac. Parfait. Ah, impeccable. Tac. Voilà, là on est monté vite fait. Alors ici, si vous demandez ce que c'est un équilibreur de flux. Il faut avoir toujours des tapis pleins. Hop. Ah, c'est bon, c'est là. Le charbon. Par là-bas, hein. Sur la gauche. Ok. On va voler un petit peu par là. Alors, par là, il y en a aussi. Là-bas, il y en a aussi à 400 mètres. Il y a plein de charbon à récupérer dans le coin. J'ai peur, par contre, que celui de 700 mètres, c'est déjà celui que j'ai trouvé, que j'ai ramené de l'autre côté. On va voir. Tiens, est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il y aurait, genre, des électrolimaces dans le coin, là? Non, a priori non. Fais voir ton équilibreur, s'il te plaît. Ouais, je vais te le montrer après. Je cherche juste. Je cherche juste. Hop, ici. 130. Putain, j'en étais sûr. Là, je voulais pas tomber ici. Il a fallu que j'y tombe. Hop. Putain, juste là où je voulais pas tomber. Ah, par contre, ça, je récupère. J'ai pas beaucoup de vie. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Ah bah tiens, bah je remonte par là. Hop. 613, 112. Et... Hop, juste là. Et c'est un... Normal. Ok, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah putain, il va me refalloir des cadres modulaires. J'en ai pas beaucoup, là. Il va m'en refalloir des cadres modulaires. Du coup... Logistique. Non, pas logistique. Qu'est-ce que je fais, là? Hop. Putain, j'ai pas de place. Qu'est-ce que je dégage? Ok, je mets ça sur moi. Et ça va me faire qu'une place... la sphère, je la pose par terre, je la récupère après. Elle est moche, hein, quand elle est posée comme ça. On dirait un vieux tatou. Alors. Production. MK2. Alors, où est-ce que je... Vers quel côté je te fais ressortir, toi? Ah bah, le truc est juste en face, là. Hop. Tiens, par ici. Ok, toi je te récupère sinon je te retrouverai jamais. Hop. Ok, déjà 300 par minute. Le temps que tu lises, hein, tu seras à l'autre bout de la map. Mais non, tu vois, j'ai lu vite. Quelle bande de mauvaises langues vous êtes. Merci beaucoup pour ton follow, The Kraken. Merci infiniment. Grand merci à toi. Installe-toi bien et bienvenue à toi. Salut Flo Saint-Tropez. Là, je suis au max.
Je vais te montrer ça là. Je vais les ramener du courant. Je vais tirer du courant et je te montre ça en même temps. Alors. Attends, toi, pose-toi ici. Récupère-moi ça. Hop, ici. Ils sont pas trop, faut en montrer pour le montrer. Oui, 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 j'ai bien. Décalage de stream, les amis. Hein. Je suis déjà parti là. C'est bon, je suis pas si mauvais que ça. Pourquoi vous me faites passer là? ok, vas-y, vol. Pigeon vol. Alors, du coup. Ah, mince, je suis passé juste à côté de ça, je l'ai pas vu. Ok. Donc, je t'en montre pas. Donc, en gros, en fait, tu vois, je répartis pour que, en fait, en gros, comment t'expliquer ? J'ai des lignes qui arrivent à 600 et je les optimise pour qu'elles puissent partir à 780, tu vois. Quand elles repartent, après, elles repartent soit à 780, soit le plus possible pour pas qu'il y ait de... Pour avoir le moins de... Comment dire ? Le moins de lignes qui arrivent à pas très très vite, quoi. Mais là, ici, ça va. Ça, je peux même le passer en MK2, ça. Qu'est-ce que ça donne si je te passe en MK2, toi ? Normalement, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça bourre ici ? Ah, mais ça bourre ici à cause de là-bas. Hein. Ça doit être plein, là-bas. C'est pour ça que ça bourre comme ça. Ok. Ok. Ok, 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 ok. C'est pas nous qui streamons, alors. On est forcément décalage avec toi. Ok. Tu marches avec des intelligents et des surplus ? Non, avec des normaux. Juste des normaux parce que j'essaie de vider le plus possible une des lignes pour envoyer dans les autres. Donc je marche avec des normaux. Donc toi, ta ligne, elle est là-bas. Ok. Donc l'électricité que j'ai ramenée... Yep. L'électricité que j'ai ramenée, il part là-bas. Putain, il y a de l'uranium, là. Faut faire gaffe. Uranium, on va faire gaffe. Salut Maverick et Madison Mitson, pardon, Mitsun. Ça marche, je vois le délire. Ok, je sais que t'aimes bien mes délires. Ok, donc toi t'es ici, t'es plein de charbon. T'es plein de charbon. Ah, mais il y a une jaune là-dedans. Là, est-ce qu'il me reste de l'explosif? Ah, il me reste plus d'explosif, merde. Putain, c'est dommage ça. Elle est vraiment coincée là-dedans, je peux pas du tout la choper. Non, parce que des fois, si vous avez de la chance, vous pouvez réussir à les choper dedans quand même. Mais là, non. Là, on peut pas. Ok, du coup. On va switch avec ça. Mettre là, ici, comme ça. Yop là. Ok, par ici. J'ai l'impression que ça glitch un peu là. Voilà. Hop. Ok, ici on est bien. Est-ce que je peux tirer? Est-ce que je peux réussir à en tirer un de là-bas? Non. Ah si. Ok. Ok, parfait. Donc toi, vu que t'es ici et que tu dois aller charger là-bas, le mieux ce serait que je tire un petit peu par là et que je te décale un peu comme ça et qu'après je te ramène droit par là-bas peut-être. Ok. Très bien. Et donc toi je te supprime. Ok. Toi, ici. Hop là, un peu bordélique par contre. C'est toi qui es bordélique. Qu'est-ce que tu racontes? Bo 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 bo.
Ok. Ah oui, merde, je suis sur le réacteur dorsal. Ok, on va bouffer tout ce qui lui reste dedans. Ok, comme ça je vide bien. Là, je peux envoler. Du coup. Hop, par là-bas. Ok. Ok, ici. Tac, par là-bas. Est-ce que je peux passer, tiens, avec le mob là? Non, tu passes pas avec le mob. Ok. Passe pas avec le mob. Par contre. Ça, j'ai déjà mis. Ok, donc je vais voir en dessous est-ce que ça donne facilement. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Bon, ça, on va aller ninja dans 2 secondes là. Hop là, allez, viens. Je crois que je t'ai pas vu venir, toi. L'autre, il est dans l'eau. Salut. Allez! Mais. Allez, t'es mort là normalement! C'est quoi l'hitbox là? Putain. Faire croire ça, je peux le ramasser, mais ça, je peux pas le taper? Really? Et ouais, de toute façon, je vais l'attirer le plus loin possible. Attends, je sais ce que je vais faire. Tu vas monter, je vais te mettre une tartine. Et ça va le faire. Voilà. Merci. Pas se prendre la tête pour rien. Tac. Ok, donc mes points de chargement pour le charbon sont en haut. Ok. Toi, ici, comme ça. Je vais jusque là, pareil que l'autre. Ici. Tac. Ok, donc je vais charger la partie avant du train avec ça. Donc la partie avant du train, c'est ici. Du coup, par contre, vu que ça va arriver dans l'autre sens, bon, allez, hop, on vire ça. Du mycélium et de la silice. Alors, est-ce que je peux virer la silice? J'en ai vraiment pas besoin. Ah merde, j'ai plus de biomasse. Est-ce que j'ai des trucs sur moi là? Ouais, je peux faire un peu de biomasse. Je peux faire un peu de biomasse vite fait. Tac. Avec les caparaces extraterrestres. Ok, sans biomasse. Ça, je le pose par terre. Ok, on fait tout ça et après, c'est bon. Comme ça, on va pouvoir découper... ce qui continue de nous gêner. Hop. Bon, la petite sauvegarde auto qui arrive de toute manière. Hop. Allez, petite sauvegarde auto. Minuit moins 20. Ok. Minuit moins 20. Minuit moins 20. Tout, 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 tout. Ok. Bon. Bon, est-ce que ça va tout le monde dans le chat? Est-ce que vous allez bien? Je vous vois très calme et tout. C'est cool. T'inquiète, ça va. Ah, mais toi, t'es toujours là, toi? Bah ouais, mon gars. Mais t'es pas couché, toi, cette heure-ci? Non. Mais incroyable. Incroyable. Meurtre dans 20 minutes? Pourquoi meurtre dans... Ah, minuit, l'heure du crime, c'est ça? Ok, j'ai compris. J'ai la ref. Ok. Allez, dépêche-toi. Merci. Il suffit que je lui dise. Toi, pas bête alors? Non, moi, pas rien d'être bête. Moyen à comprendre ce que toi dire. Ok. Eh, vas-y. Dépêche-toi de me faire ça, là. Ok, les 4 de biomasse qui restent. Toc, poubelle. Ça, je le ramasse. Et ça, je ramasse. Ok, très bien. Ça, je vire. Ok, où ça me gêne. Très bien. Donc.
toi tu descends là. Ok. Donc si toi tu descends là, ça veut dire que toi tu vas descendre là aussi. On va les faire descendre tous déjà. Ça c'est pas très compliqué. Hop. Hop. Ici on est bon. Ici ok. Et ici ok, c'est cool. Très bien. Impeccable. Bonsoir Mini Lola, comment vas-tu? Ta fille, t'as fait longtemps qu'elle n'est pas couchée. Elle dit qu'elle finissait le mur avant d'aller se coucher. Ah oui, c'est vrai. Okay, c'est pas un temps intelligent. C'est le mec qui balance et tout. Ta fille était pas couchée. Oh, elle t'a menti. Je sais qu'elle traîne. Non mais je plaisante. Hein. Elle parle un peu le belge, mais elle était adorable. Telle mère, telle fille, j'ai l'impression. Ok, gauche, aucun, droite, surplus. Il y a minuit et demi, elle dormait pas encore. Et puis le matin, tu entends, je suis fatigué. Bah non, mais c'est un enfant, c'est normal. Ce qui est drôle, c'est que quand t'es petit, tu fais tout pour pas aller dormir. Et plus tu prends de l'âge, plus tu te dis, la sieste, c'est goldé quand même. Une bonne sieste là. Eh oui. T'as vu. Ok, donc ça on est bon. Là on est bon. Ok. Normalement ici j'ai tout qui arrive. Ça c'était prévu au cas où. Ok. Non, c'est dans ce sens là. Et toi comme ça. Ok. C'est parti. Ok. Hop. Ok. Donc là, on lance les premiers charbons arrivés. Ok, comme les premiers charbons arrivent, je vais pouvoir dire au train... Vas-y, bon. Tu vas... Merde, je suis en dessous. Tu vas bosser. Tu vas pouvoir tourner. J'attendais d'avoir les premiers charbons qui arrivaient parce que sinon, ça servait à rien du tout. Mais là, ça va arriver vite au début. Donc ça, c'est bon. Ok, toi, donc, je démarre. Hop, je ressors. Tu vas y aller. Tu vas t'arrêter ici. T'es en load. Ok, très bien. En plus, tu repars pas complètement à vide. Je vérifie juste que c'est bon. C'est bon, ok. Donc ça, celui-là, on l'a mis. Ok, pas de soucis. Je vais chercher les 4 modulaires là-bas. Sinon, on va se faire avoir parce que j'ai 4 foreuses à prendre. Donc il va me falloir des cadres modulaires. Tout le reste, normalement, je l'ai. Hein. Les plaques, les tiges, le béton. Le béton, j'en ai. Ok, les câbles électriques, j'ai. Les bobines, j'ai. Ouais, bon, on va pouvoir tout faire. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je pourrais juste pas les overclocker, ça m'embête. Mais je ferai avec. C'est pas juste sur dit. Tu me dis, puis tu veux dormir. Et quand tu lui dis, tu veux pas dormir. Bah ouais, bah elle est pas d'accord, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Le monde est fait à l'envers. Eh ouais, surtout une bonne sieste pendant le taf. Et complètement. Mais chut, faut rien dire. Au cours de science, trop bien la sieste. Je comprends mieux les points. Putain, t'es vraiment une maman cool, Mini Lola. Hein. Moi, c'était pendant les cours de sport et d'anglais. Et j'ai encore jamais dormi, mais failli. J'ai l'impression que tu lis un achievement, tu sais. Allez, ouais, j'ai presque dormi. J'ai pas réussi, mais failli. Bande de sales gosses. Et c'est vous qui paierez nos retraites. Ah là là, ok. Donc ça, c'est bon. Ok, donc on va aller vers le point. Je vais tirer les lectures en même temps que je vais là-bas. Quoique non, parce que j'ai déjà de l'élec qui part là-bas. Pas très loin. Hop là. Vas-y, je m'arrête pas. Ok. Alors là où je suis, exactement. Faut que je check. Ok. Donc là, je suis là, ici, sur la map. D'accord. Et je check où sont les gisements. Les gisements sont là.
Ils sont juste ici. Ok, j'ai juste à partir tout droit et c'est tout bon. Ok. Je vais rien dire, même si elle est déjà... j'ai dormi en classe. Et... c'est pas bien, mais bon. Attends. Ok. Maman cool, mini Lola. Hop. Hop. Vas-y. Scanne-moi ça. Ok, un petit peu plus haut. Peut-être. Ouais, c'est par là. 600 mètres. Ok, ça va vite. Ça va aller vite. Hop. Tiens, putain, je récup. Tiens, des carapaces. C'est free, ça. Hop là. Ceci. Hop. Et je sais que c'est cool. Hein. On me le dit. On me dit. Eh, bah oui. De toi, hein, ta fille sombrera dans la drogue. Si t'imagines. Le raccourci de ouf. Voilà. Voilà, tant pis pour toi. Et jamais, t'as raison, fais jamais ça. Jamais, je plaisantais bien sûr. Ouais. Ok. Du coup, où se trouve le charbon là? Alors les gisements se trouvent là-bas. Putain, j'ai un summer sloop là. Alors attends, les gisements ils sont là-bas. Par contre j'ai un truc ici. Qu'est-ce que tu fous là toi? Ah non! Oh c'est bon! Wouh, j'ai eu chaud là. Non en fait c'était la maîtrise bien sûr. Ok, du coup toi je pars de là-bas. Tac, ici. Alors par contre, je sais pas quelle hauteur ils vont être. Est-ce qu'ils vont être en haut ou est-ce qu'ils vont être en bas, les gisements? Ça, c'est une inconnue, ça. On va déjà aller voir en haut. On va déjà aller voir en haut. Hop. Eh, mais attendez, là. Vous êtes deux, là. Hop, là, dégagez. Vous êtes plus. Ok, ça fait prix. Ça, c'est pour la broussaille uniquement, je m'en fous. Ils doivent être en bas, je pense. Les gisements de charbon là, ils sont 130 mètres. Ah, ils sont de l'autre côté là-bas là. Là où il y a un gros. Ah non, ils sont en bas. Ils sont en bas, ok. Ils sont en bas, ça me va. Il y a encore une sphère là. Ok. Voilà, récup. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais là? Huit pas, son de crachat. Il faut moi la paix. Ah oui, mais il est juste là le machin là. Ok, ok. Tiens, je vais prendre là. Hop. Ok. Et ben on est parti. Et il a des pop. Il a des pop le truc. Ok. Reviens pas pendant que je me tourne. Hein. Ok, c'est bon. Toi ici, ça je ramasse. Ok. Et vas-y, on avance, on avance, on avance, on avance. Yo, excuse-moi, je t'ai concentré. Damus, ça va et toi? Comment vas-tu? Hop. J'espère que tu venais juste d'arriver, que ça faisait pas 5 minutes que tu me parles. Dans 3h50. Non, oh, t'es même dans le futur. T'es même dans le futur. Ok. Bon, donc ici. Ici, je vais pouvoir mettre une MK2. Il me faut juste un petit atelier d'équipement. Alors là, c'est en quoi? C'est un pur. Très bien. Un autre pur. Très très bien. Les autres doivent pas être bien loin. Je crois qu'il y en a un là-bas. Tu veux bien te pousser, toi, s'il te plaît? Ok. Du coup. Je vais enlever ça. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Ok. Putain, il m'a fait peur, ce con-là. Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans?
Qu'est-ce que tu fous là-dedans? N'importe quoi. Ok. Et souvent, on adore notre humour et notre humeur. Eh ben, écoute, moi aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est rafraîchissant, les gens comme vous. Si tout le monde était comme vous, ça ferait plaisir. Du coup. Là, j'en case une. Ah, c'est sur du pur, hein, en plus. Sur du pur. Sur du pur. Du coup. Tac ici. Tac ici. Donc ça me fait 240. Donc potentiellement celui-là, je le montrais à 780. Celui-là aussi. Du coup, ça veut dire que. Où est-ce que sont les autres? Où est-ce que sont les autres de charbon? Est-ce que je les vois là? Ah tiens, site de crash. Site de crash derrière le poison. Ah bah il y en a un là. Ok. Et le dernier pur, il est où là? Un là, ok. Non mais il y en a un là. Il y en a un là. On capte ça. Il est où le dernier? Hop là! Ciao! J'ai pas compris où il était l'autre. Ah non, il y en a deux là-bas. Non, il y en a un deuxième par là-bas. Mais là, je vole avec quoi là? Qu'est-ce qui me fait voler? Je le vois pas. Je le vois pas. Il y en a un que je vois pas. 75 mètres. 55 mètres par là. Il y en a un autre par là. Ah oui, il y en a un là-bas. Ok. Attends, c'est celui-là, je l'ai vu déjà. Il y en a un là-bas. Bon, on va aller le récup déjà. On va aller le récup déjà. Ah bah l'autre était à côté. Ok, d'accord. L'autre était à côté, pas de souci. Celui-là, c'est un normal. Et celui-là, ça va être un pur. Un pur. Et un autre pur. Eh bah, c'est gagné. Alors, on va être bien, là. En termes de charbon, ça va pouvoir tourner. Où est le champi? Ah bah, il est juste avant moi. Ok. Ok, donc il va falloir que j'emmène 4 lignes complètes, là. J'ai de la place sur mon bruit, j'ai un peu de place. Ok, 1, 2, je vais en faire 3 déjà. Je vais en faire 3 déjà parce que toi, je vais te poser ici. Ok, on va y faire un tour après, vite fait, là sur le site de stockage. Hein. Le site de crash, pardon. J'ai envie de voir ce qu'il y a, s'il n'y a pas des items de ouf. On sait jamais. Puis ça se trouve, je vais pouvoir débloquer des recettes. Que j'utiliserai pas. Donc j'ai envie de dire OZEF tiers, mais il y a deux recettes en fait qui vous donnent plus de place d'équipement. Je sais que j'en ai déjà une, je suis pas sûr d'avoir eu la deuxième. Donc voilà. Faudra qu'un jour je dorme. Ah oui, c'est possible. Il y a vénère. Il y a du métal, du cuivre. Ouais, mais le métal, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai besoin uniquement du charbon. J'ai besoin uniquement du charbon. Hop. Toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Hop. Non, on va peut-être pas passer par là. On va faire le tour par ici. En plus, on a un joli petit chemin de randonnée, là. C'est parfait. Hop. Tu veux un coup de main? Donc, à plus. Oh, une limace! Dégage. Eh mais il y en a une autre là. Ah non, ça c'est une fleur ça. C'est pas la même. Attends, je vais check. Tiens. Est-ce qu'il y a une limace dans le coin? Champignon, noix, baie et l'ennemi, électro-limace. Oh, il y en a une pas loin là. Elle va être en haut là où il y a le boss.
Je suis sûr. Ouais, elle va être là, elle va être là, elle va être là. Est-ce que toi, je peux te poser de là? On va le gruger. On va le gruger. Si je peux te poser là, alors, on va, dans ce cas-là, si on va le faire dans l'autre sens. On va poser ça là, ici comme ça. 80 slots à bloc. Je pense qu'il te manque la dernière. Ouais, moi aussi. Mais... Hop là, et voilà. Ok, ça c'est récup. Mais sérieux, il fait tout le tour. Ah non, il est là. Ok. Et voilà. Comment récupérer sans se prendre la tête avec le mob. Hop, du coup, établi. Du coup, hop. Deux éclats de charge, j'en avais déjà un. Non, j'en avais pas. Ok. Donc je vais pouvoir en mettre une à 100%. Alors ici, ça va être la normale, je crois, c'est ça. C'est la normale. Donc là, celle-ci. Oh, il y a encore d'autres électrolimaces dans le coin, là. Ok. Donc là, je peux les mettre à 100%. C'est en MK3 que je pourrais les mettre à 780. Attends. Ah bah, il y en a une là. Vas-y, passe, passe, passe. Tu passes pas. Tu passes pas. Ok. On va retricher avec le courant. C'est une technique qui marche bien, ça. Toc. Ok, est-ce qu'il y a d'autres électrolimaces? Il y en a une autre par là? Attends, on va aller la chercher direct. On va aller la chercher direct. Gigo, ok, SDS. Envoie-moi un petit MP Twitch, comme ça, je ne perds pas de temps à trouver ton pseudo pour t'envoyer ton giveaway. S'il te plaît. Hop. Attends, ici ça remonte. Ah, c'est au fond là, c'est dans la grotte. Ok. Bon, on va pas aller la chercher, tant pis. Tant pis, on va pas perdre de temps là-dessus. Pas perdre de temps là-dessus. Hop là. Ok, donc là on va remonter. On va remonter toutes ces lignes-là. Comme ça. Ici comme ça. Ici comme ça. Alors, les autres qui sont là-bas. Après, quand j'aurai besoin d'encore plus de charbon, bah c'est simple, hein, j'aurai juste à les passer en MK3 et puis mettre 3 éclats de charge dedans, enfin 2 éclats de charge dedans, pour les mettre à 780 et ce sera top. Hop. Tac, vas-y, si c'est bon. C'est fait. Bon stream, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, à très bientôt. Et félicitations encore une fois. Hop. Ici comme ça. T'as les 4 là à ramener là. Hop. Ici. Vivement qu'il me trouve une solution hein, pour qu'on puisse utiliser les purs à 1200 par minute. Hein. Parce que là, ça m'handicape vachement quand même de pas pouvoir le faire. Hein. Surtout que j'ai calculé toutes les prods pour ça, donc... Qu'ils trouvent une manière ou une autre, je m'en fous, hein, qu'ils mettent des foreuses MK4 avec deux sorties, ils font ce qu'ils veulent, mais ils me trouvent la solution. Là, on va passer le plus possible contre la roche, quoique, ça va pas me gêner, ça, il faudra que je le remette d'une autre manière, donc c'est bon. Hop, là on est bon. Et là, comme ça. Ok, parfait. Okay.
Non mais sérieux, tu vas me cracher tous tes trucs là? Aïe! Mais arrête! Moi je me casse. Hop, je me casse là. Donc, en attendant. Balises, des stockages, tout ça c'est par là-bas. Ok. Tout ça c'est par là-bas. Toi par ici. Un peu plus long. Ok. Toi par ici, encore un peu plus long. Et toi par ici, encore un peu plus long. Hop. À ce point-là. Toi ici. Hop. Et toi ici, comme ça. Alors eux, je les avais remontés par ici. Est-ce que eux, je les remonte aussi? Est-ce que je passe par le même trajet? Non, je vais les passer par en bas et je les remonterai plus loin là-bas. On va prendre un autre chemin. Pourquoi? Parce que. Voilà, tout simplement. Hop. Ok. Vas-y, remonte là. Je veux juste pas que ça glitche à travers le sol. Ça, c'est hors de question. Paf, ici. En plus, c'est bien, j'arrive du côté gauche. D'avis, j'aurais pas assez hein, d'MK5. J'aurais pas assez d'MK5, à mon avis. Il va falloir que j'aille en chercher juste là-bas, au stock, là où on en a. Heureusement, j'en avais déposé. Alors, toi. Hop. Attends, pourquoi je peux pas te construire? C'est à cause du piaf là, sérieux? Dégage le piaf. Vraiment, je vais te découper en rondelles. Hop. Tac. Hop. Et ici, jusque là. Ok. Hop. Ok. Très bien. Ici, hop, on remonte. On est parfait. On est parfait. Ok. Oh, va falloir que je descende, va falloir que je trouve tout ça. Ok. On va remonter là alors. On va remonter là. On va remonter là. On n'est pas exactement sur le même truc que l'autre, donc c'est bon. Alors, ça, si je le monte là, ici, donc c'est bon. Avance un tout petit peu. Alors ça tu veux pas. Ah, putain, tu vas me faire chier jusqu'au bout. Hop. Hop, ici. Non, tu remontes. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Hop. Ici, comme ça. Comme ça, ici, comme ça. Salut Nostromo. Bienvenue à toi. Ok, et le dernier, il est là. Le dernier vient là-bas. Hop. Ok. Ah, il se coince, il se glitch là. Non! Non! Tac, on refait ça, bien. Je vais virer le charbon de gestion. Non, quoique, c'est bon, il ne me gêne pas. Il ne me gêne pas.
Je peux te remonter jusque là, c'est bon. Toi, je peux te remonter ici, c'est bon. Toi, je peux te remonter ici. On va être bon. Ok. Donc toi, normalement, tu vas pouvoir remonter après jusqu'en haut là-bas. Alors, je sais pas trop à quelle hauteur il va falloir que je monte. Je sais pas à quelle hauteur il va falloir que je monte. Donc, est-ce que je peux essayer de placer un poteau? Est-ce qu'on peut essayer de faire ça comme ça? On place un poteau là-haut. Ah, j'avais un verre là. J'avais un qui était bon. Ok. On place toi de là à ici. Un petit coup de tyrolienne. Elle est où ma tyrolienne? Ouais, elle est là. Ok. Allez! Bon, ok, ça me saoule. Hop, voilà. Comme ça, ça c'est bon. Pas trop proche. Ce serait bien. Là-bas, hop, ça on enlève. Et voilà comment monter quand on n'a pas de courant, mais qu'on a des idées. Ok, et ben. J'ai peur que ça se croise un petit peu ici là. 3. Ouais, il y a des chances quand même. Il y a des chances quand même. Ok, je vais te replacer toi. Je vais juste te replacer toi. Ok. Ça c'est bon. Et si on est bon. Et je suis juste devant le truc, quoi. Super. Alors, attends. Je peux choper la baie d'ici, là. Ça, on ne le chope plus. Ok. Vas-y, traverse, là, maintenant que c'est fermé. Je récupère le courant électrique qu'il y a là. Ah, je suis juste à côté, là, en fait. Je suis juste à côté. Je récupère le courant électrique ici. Voilà, comme ça, il n'y a rien qui m'embête. Et toi, je te tire par là-bas. Hop. Hop. T'as passé au-dessus des rochers. Ouais, c'est parfait. Et toi, le dernier. Ah, j'ai plus de MK5. Ok. Bon, c'est bon, on va pouvoir aller l'en récupérer vite fait là-bas. Hop, ça c'est bon. Si on, je vous laisse, je gogo dodo, à plus les amis, bonne fin d'année. Merci Kenshiro. Merci beaucoup. Pa, pa, pa. Hop. Et vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. Merci. Et donc il me reste du MK5 là-dedans normalement là. Il m'en reste plein. Il m'en reste plein. Ouch. J'ai pris le train dans les dents. Hop, vas-y, avance. Que je termine ça. Pam pam pam. Les amis, si vous voulez utiliser vos points de chaîne de manière intelligente, une des manières qui est possible de faire. Éventuellement de choisir le raid, je vous rappelle, parce que c'est une fonction qui est pas beaucoup utilisée, et à chaque fin de stream je lance toujours un raid. Donc si vous avez un streamer de préférence pas très connu, histoire de lui filer un coup de main, que vous voulez voir raider, n'hésitez pas à claquer vos 3000 points de chaîne, je le ferai avec grand plaisir. Ok, bon, c'est vraiment pas été long, hein. Alors attends, toi ici, toi je vais te mettre juste là, vraiment, il y a moyen que je récupère, oui, directement, hop là, toi ici, c'est bon, c'est récup, alors,
Viens par là, toi. Ah, mais je vois pas, là. Ok. Il va falloir que je coupe des arbres. Il va falloir que je coupe des arbres. Hop. Hop. Ça pourrait être fun aussi d'essayer de se faire un défi gamin-écologiste. Tu sais, tu coupes pas de... Tu coupes rien. Jusqu'au charbon, tu coupes rien. Tu sais, tu coupes pas d'arbres, on va dire. Déjà, tu te mets ça comme handicap, pas couper d'arbres. T'as intérêt de prendre ton temps pour build, hein. Du coup. Ok, on va le lever d'un cran. Ah non, 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 je passe à l'intérieur, là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça, c'est pas legit. Et puis celui d'avant non plus, et l'autre d'encore avant non plus. Non, non, mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien, on essaie de faire ça propre, quand même. Le charbon que j'ai sur moi. Ok, je vire. Charbon, poubelle. Charbon, poubelle. Du coup. Là. Le troisième. Le troisième, il est là. Ok. Quatrième. Quatrième, il est par là. Ok. Il y a des araignées là? Ah oui, il y a une araignée là. Heureusement que je vole quand même. Un peu trop encore. Ok. Hop. Ok, 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 ok. On va couper cet arbre là. Limongo. Ok. Limongo. Alors. Par contre, je le ferai pas ce soir, Fox, parce que je m'étais déjà engagé auprès d'un autre streamer à lui balancer un raid. Donc, je vais tenir mon engagement, mais demain, ouais, ce sera le prochain raid demain. Hop. Hop. Est-ce que ça te va ? Elles font même pas miou miou tes araignées, c'est pas drôle. En même temps, les araignées qui miaulent, c'est bizarre. Comme tu veux. Non, c'est pas comme je veux, je te demande si ça te dérange, ça te pose un problème ou pas. Si tu me dis non, pas de problème. Ok, c'est cool. Si tu me dis il y a un problème, ah là, c'est moins cool. Hop. Après, à moi d'expliquer à d'autres personnes que. Voilà. Ils demandent de la modération. C'est bien aussi de pouvoir dire que c'est la faute des modos. Hop. Ok. 3 personnes se sont c'était pour l'aider. Ouais, mais c'est gentil, oui. La suite, je verrai d'après. Il a... Combien de personnes, là? Il a 2 personnes. Désolé. Ok. Allez, on coupe cet arbre-là, là, qui me gêne. Hop, très bien. Le ciel est plus sombre ici, hein. Il est plus gris. Comme s'il allait pleuvoir. C'est marrant quand même. Ok. Toi. Tu viens ici, je te relève d'un cran. Je te lève d'un cran ou pas? Je te lève d'un cran. Je te lève d'un cran. Voilà. Tac. Alors, on va le décaler un petit peu parce que ça va me faire des problèmes.
Je t'aide d'un cran et toi. Toi ici. Je te cale par là-bas. Je lève d'un cran. Ça, je coupe. Ok, ça c'est bon. Hop, très bien. Ah, j'ai complètement oublié de faire le style de crash. Bon bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Ok. Salut Nono, bienvenue à toi. Toc, tu viens jusqu'ici. Hop. Ok, là on est bon. Ok, ça veut dire que là, mon charbon. Tiens, encore une autre sphère là. Putain, mais j'en ai trois là déjà sur moi là. Je sais pas à quoi ça va servir ce truc là, mais il y a intérêt que ce soit un truc de ouf. Pas rapide. Dégage toi. Je crois que je t'ai pas entendu venir. Une autre là-bas ? Non. Ok. Donc, je vais lever. Je vais lever pour passer comme ça. Ok. Donc, je le passerai ici, directement. Ok. On va couper ça. On va couper ça. Et ça, on le fera demain, les amis. Ça, on le fera demain. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce que demain, je me lève super tôt.